Hi everybody. Today, Saturday 4 July. Aujourd'hui, samedi 4 juillet, l'association J'accède est au Festival des Eurockéennes de Belfort. Un festival sur 3 jours avec plus de 50 concerts, des artistes du monde entier. Et aujourd'hui, J'accède.com est venu pour réaliser un reportage et essayer de faire la promotion de ce festival qui travaille depuis tant d'années pour améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap. Des associations sont présentes aujourd'hui pour accompagner ces personnes, les amener aux différentes scènes qui ont été installées et aux estrades qui sont réservées pour les personnes à mobilité réduite. Nous allons les suivre, nous allons les accompagner, nous allons aussi essayer de sentir cette ambiance si particulière et si unique à Belfort qu'on ne retrouve qu'une fois par an. Le président est complètement fan de toi. Ah bah merci. Donc, alors, on t'en offre un. Bah est-ce merci. Que tu peux nous, tu peux signer Ah bah oui. Avec joie. Voilà. Merci beaucoup. Bah merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Bon, c'est génial. Ça me fait plaisir. Toujours en direct de J'accède.com, nous avons pu bénéficier de la présence du président de l'association J'accède, Damien Birambeau, qui va nous parler un peu du projet J'accède et de aussi de l'implication de J'accède dans ce festival, des rencontres qui ont pu amener aussi J'accède à être présent aujourd'hui et à faire un reportage sur l'accessibilité des Eurockéennes. Eh bien oui, je suis vraiment enchanté d'avoir été convié et l'association pour vraiment souligner les efforts d'accessibilité qui ont été faits sur ce festival, donc le festival des Eurockéennes. Et c'est vraiment formidable de pouvoir permettre aux personnes à mobilité réduite de vraiment profiter de ce festival grâce à des passerelles aménagées qui permettent vraiment de pouvoir voir les concerts dans d'excellentes conditions. Et ça c'est très important. Et puis ensuite il y a un accueil qui a été prévu, un point d'accueil, et là aussi il y a des personnes pour nous accueillir, et puis il y a des cheminements sécurisés qui ont été prévus entre les différentes salles de concert. Et il faut dire que y a un dispositif exceptionnel, parce que c'est quand même 30 000
personne qui assiste à ce festival. Donc il est vraiment important qu'il y ait des accès sécurisés et que vraiment tout le monde puisse en profiter. Donc ce qu'on aimerait, c'est que d'autres festivals prennent également le relais et vraiment prennent à bras le corps cette question de l'accessibilité des festivals. Merci Monsieur Birambeau. Une question au niveau des concerts que vous avez pu voir là, vous avez pu assister à des concerts de groupes que vous avez appréciés? J'ai pu voir le groupe Van Pass, animé par son chanteur donc Didier Van Pass, et c'était hyper impressionnant comme concert. Oh, c'est pas Prodigy qui fera ça ce soir, je vous préviens. Il n'a pas hésité à plonger dans la foule. Kiss. Bon, à la fin, il a un peu profité de sa notoriété pour faire monter les filles sur la scène, mais bon, en même temps, il a raison, donc. Et sinon, j'ai pu voir, un peu la découverte du festival Noisette. Et Noisette, c'est une chanteuse dont on se souvient. Une complicité avec le public, et ça c'est quelque chose de vraiment sympa à voir, donc voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment, et puis ce soir on espère rencontrer Olivia Ruiz. Hi Pete, hi, how are you? We are looking for Olivia Ruiz. Do you know where she is? Yes, it's a French singer. And which band? Which band is Olivia Ruiz? No, I don't know. You. Ah, Monotonix. Monotonix? Oui. It's what style? Rock, reggae, hip hop? A little bit of everything, man. And in which place you? Is this Olivia Ruiz? No. No, I'm not. We are looking for her because. Is she very pretty? Yeah, and we want to give her a t-shirt from our association. Jackset.com for accessibility. Oh, okay. Are you French? English? French. Okay, on est en train de chercher Olivia, est-ce que tu sais où elle se trouve? Olivia Ruiz? Oui. Une grande scène normalement. On l'a croisée tout à l'heure du côté du catering, à mon avis elle allait manger un petit plat. Elle était à la FNAC tout à l'heure. À la FNAC? Ouais. Elle y est toujours ou elle est partie? Je sais pas. Aucune idée. Et peut-être dans sa voiture. Dans sa voiture? Et tu sais où elle est garée? Non. Non. Toi, est-ce que tu vas la voir ce soir? Ah oui, t'es fan. T'es fan? C'est ton concert vraiment que tu vas préférer, que tu veux aller voir? C'est carrément mon premier festival. On est à la recherche d'Olivia, est-ce que vous savez où elle est? Olivia Ruiz. Ouais. Attaque-moi avant là. J'ai bouffé du chocolat. Elle était avec moi avant, mais elle est partie, elle devait se préparer. Olivia, on l'a vue dans le stand de commerce parce qu'elle est une star, alors elle est forcément all-star. Ah. Et là, elle est encore au stand de commerce? Toujours, elle prend les photos. Ok. Nico? Oui. Nico, un petit mot pour Olivia. Olivia, on t'aime. C'est France 3 ou quoi là? Non, c'est Jacques Sed.
Je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui a peut-être une information pour Olivia. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Oui, excusez-moi. On est en train de chercher Olivia Ruiz. Est-ce que vous savez où elle se trouve? Oui. D'accord. Donc, merci Bob. Et bon festival. Ciao. Bon, c'est bon maintenant. On l'a enfin trouvé. Là, elle est à la grande scène dans 10 minutes. Je pense que ça va déchirer là. Que mes idées s'envolent, que j'ai tout oublié. Moi je sais que c'est faux. Pour qu'ils reviennent, je chante haut.